Bonjour, bienvenue aux rencontres des praticiens de la reconnexion et du reconnective healing. Aujourd'hui, j'accueille Guy Coupreman. Bonjour Guy. Bonjour Caroline. Donc Guy est praticien du reconnective healing et de la reconnexion. Et il est en Belgique. Et il est d'une génération d'il y a au moins 10 ans, non? C'est ça Guy? Raconte-nous. Ah ben non, pas tout à fait, mais c'est pas grave. Non, ce qui est vrai, c'est que dans tout mon parcours, on va dire, j'ai vu à peu près 25 ans de kinésiologie, un petit peu plus derrière moi. Et donc, beaucoup de travail sur l'énergie, on va dire, puisque là-dedans, on parle beaucoup d'énergie. Ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, puisque tu parles de 10 ans, c'est qu'en travaillant avec des personnes, j'avais les mains qui se mettaient à brûler comme ça, à picoter. Et donc, je me suis demandé vraiment ce qui se passait. Et à un moment, je me suis même demandé si je n'étais pas un peu malade, puisque ça pourrait être des symptômes aussi. Mais non, pas du tout. Du coup, je me suis mis à chercher. Et j'ai été voir un peu tout ce qui était, pouvait expliquer ce qui se passait dans les mains. D'autant plus qu'il y avait des réactions assez physiques chez les gens pendant le travail. Et je sentais souvent à l'avance, avant la séance, que ça commençait. Et donc, en cherchant, ben, je suis tombé, après avoir été voir le Reiki, plein d'autres choses, ça ne me convainquait pas. Et donc, je suis tombé sur Eric Pearl. Et là, j'ai vu 2-3 petites vidéos. Hein, et puis, j'ai vite acheté les 2 premiers bouquins, celui de son histoire et celui de Salomon. Et là, évidemment, ben, pendant que je les lisais, ça s'activait. Donc, je me suis vraiment posé encore plus de questions. Sinon, que le livre de Salomon, c'est encore une Bible, parce que c'est une matière à évolution personnelle énorme, que ce soit en kinésio ou en reconnexion ou en plein de choses. À partir de moi, il y a un travail sur soi, c'est un livre qui est une mine d'or. Et donc, ben, alors du coup, en 96, je me suis inscrit à la formation à Bâle, et je suis allé à Bâle. Là, c'était un immense groupe, 700 personnes, donc un peu bizarre pour moi, mais les sensations dans le groupe avant, déjà dans la salle, était déjà présente aussi, et donc c'est très interpellant. Et je suis revenu vraiment reboosté, sans comprendre trop ce qui s'était passé, parce qu'il y avait des choses qui m'avaient un peu rebuté dans ce qui était raconté, d'autres choses qui étaient assez évidentes pour moi. Et donc tout ça mis ensemble a fait que ben, je me suis mis à travailler. Mais pour aller à Bâle, j'avais dû aller faire une séance de reconnective healing chez Cléo à Bruxelles, et celle-là avait déjà fait quelque chose de bizarre pour moi. Sous-entendu, pendant la séance, ben, de fait, des couleurs bien, bien spécifiques sont apparues, et puis j'ai discuté avec elle de pourquoi j'étais venu faire cette séance et pourquoi je voulais faire la formation à Bâle. Et là, elle m'a dit, mais en fait, cherche pas, c'est les fréquences qui te cherchent. Alors, c'était encore plus bizarre pour moi. Mais disons qu'à Bâle, j'ai eu une partie de la réponse. Alors, ben, après, c'était évident que je voulais faire le niveau 3, moi. Parce que, voilà, je me disais, il y a une technique là-derrière au départ. Et donc, je voulais comprendre. Donc, je n'avais pas compris que ce n'était pas une technique au départ. Soyons clairs. J'ai tout compris depuis, hein, mais voilà. Et donc, après, pour aller à Lyon, dans ce cas-là, j'avais été avec Diane suivre la formation niveau 3. Et on avait dû faire des séances à distance, tout ça. Ce n'était pas un problème pour moi. Et pendant ces séances-là, j'ai pris conscience que les moments où ça fonctionnait le plus, j'avais plus de ressenti, ben c'est surtout quand je ne pensais pas. Donc, je laissais les idées venir, je laissais tout ça, mais le moment où j'avais les petits vides de pensée, c'est là que je voyais le plus de changements qui se passaient physiquement chez la personne, sans savoir ce que ça aurait comme incidence pour la suite pour la personne, en tout cas. Et donc, j'étais à Lyon. Et à Lyon, ben là, j'ai appris une procédure, là. Clairement, ça n'a rien à voir, quelque part, avec le reconnective healing. Qui là est plutôt un état d'être, selon ce que moi je ressens. Et puis après, ben, fatalement, je me suis mis à travailler avec cet outil et j'ai vu des choses qui se sont passées dans mon cabinet, comme j'en voyais parfois en kinésio, mais des choses plus bizarres puisque je ne faisais rien. Alors qu'en kinésio, je faisais tout, je menais l'énergie, j'avais appris à guider tout ça, à équilibrer le système d'acupuncture, à équilibrer plein de systèmes dont on parle, les auras, les chakras, tout ce qu'on peut dire comme ça. Ça fait bizarre, mais c'est toutes des choses qui sont abordables en kinésiologie. Mais du coup, je me suis mis un peu à chercher ce qui se passait avec le reconnective healing.
en faisant des formes de pré-test et puis voir après ma séance ce qui se passait. Et là, j'ai bien dû constater que ça bougeait des choses sans que moi, je ne fasse rien du tout au niveau manipulation. Enfin, excuse-moi, je t'interromps parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la kinésio et tu parles de test. Est-ce que tu peux rapidement dire, s'il te plaît? Alors, bon, disons que la kinésio, pour résumer, c'est un test musculaire. Hein, donc, on installe un langage avec le corps via un test musculaire. Quand ce langage est installé, on peut aller dans des procédures. Et le corps réagit et ce qu'il faut comprendre et accepter, il y a deux choses très parallèles, c'est que l'énergie est avant la matière et notre système nerveux fonctionne à peu près de la même façon, l'inconscient est tout à fait avant la conscience consciente. Donc quand tu me comprends, il y a déjà tout un processus inconscient qui s'est fait à travers des tas de noyaux de ton cerveau qui ont créé des émotions, des tas de choses comme ça et qui font seulement un aboutissement. Et donc la kinésio permet, quand on a de bons outils, de pouvoir interroger des systèmes spéciaux. Et moi, dans mon cas, le système d'acupuncture, qui est une interface entre le corps et justement le métaphysique, est quelque chose qui m'a passionné, qui m'a ouvert des portes vers ce côté métaphysique. Et ça m'a beaucoup envoyé vers tout ce qui était physique quantique pour comprendre. Et plus j'avançais, plus c'était évident et plus la lien se faisait. Et je dirais, pour revenir maintenant à la reconnexion, la reconnexion a créé tous ces liens à une vitesse fantastique pour moi. Voilà. Maintenant, je n'ai pas eu de changement de vie comme certains de mes clients me racontent, hein, qui abandonnent tout, qui vont faire autre chose, ou qui étaient dans un métier qui change. Pas du tout. Ça a continué dans une même direction, mais il y a des choses qui ont fondamentalement changé pour moi. Une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que du jour au lendemain, chaque fois que j'allais chez ma maman, je ne supportais pas. Dès que j'avais l'idée d'y aller, j'avais envie de partir pour X raisons d'avant et entre autres par rapport à l'énergie, complètement disparu. Je ne ressentais plus aucune animosité. J'étais capable de rester. J'encaissais tout ce qui se disait comme si j'avais éliminé une part de moi-même qui était gênante. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, évidemment. Mais donc ça, c'est une chose qui a été marquante pour moi. D'exprimer quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'au-delà de nos égos, en fait, il y a un travail d'harmonie qui se fait. Oui, tout à fait, et j'allais y venir gentiment. C'est que quand on fait une séance de reconnective healing, moi j'ai de plus en plus la sensation que, comme en musique, un diapason est capable de faire vibrer une corde. Hein, vous faites un diapason là, la corde du là de la guitare va vibrer sans toucher la guitare. Même à distance, on peut le voir physiquement. Et bien, quand on est en reconnective healing, on se met dans cette position de recevoir et sans forcer et pas du tout de donner. Au début, j'étais un peu dans l'erreur, je croyais qu'il fallait aussi un peu donner. Non, mais vraiment de recevoir et on sent ce diapason et tout ce jeu qu'on s'impose avec le travail des mains autour de la personne éventuellement, c'est pour augmenter notre attention par rapport à cette présence du champ qui est là présent à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Mais du coup, on a cette attention qui augmente la conscience et le diapason s'amplifie. Et plus il s'amplifie, plus il prend des fréquences de plus en plus larges et plus ces fréquences peuvent faire vibrer la personne qui est là. Et comme ces fréquences sont ouvertes au potentiel, à tout le potentiel possible, autant pour moi que pour la personne, il y a des choses qui se passent pour la personne que je ne dois pas ressentir, mais qui vont se passer quand même, parce que c'est comme si on baignait dans les mêmes fréquences à un moment, mais que les fréquences avaient un écho différent chez l'un et chez l'autre. Et les échanges que j'ai pu faire avec beaucoup de praticiens en reconnective healing, surtout avec la période Covid, c'était vrai, vrai bon pour nous, je pense, le ressenti de travailler avec une ou pour une personne est tellement différent, ce qui ne veut pas dire que ça n'apporte pas plein de choses. Et ce côté-là me fait plus penser à ce côté diapason où l'énergie, le potentiel est au maximum. Penser à quelque chose le réduit probable. Y faire attention nous aide à rester canalisé. Mais en même temps, il y a toujours ce phénomène. Ça, c'est moi, le côté physique quantique. Quand on prête l'attention aux ondes, elles deviennent particules. Et donc, indirectement, c'est comme si on perdait la fonction d'onde. Mais d'un autre côté, nous sommes que... C'est vraiment ma conviction, l'énergie densifiée. Et donc, on a un système nerveux qui nous permet d'être attentif.
Et donc, c'est pour ça qu'on se reconnaît en tant que corps, avec tout ce qui nous permet de faire et un monde autour qui nous permet justement d'interagir avec toutes ces fréquences et les fréquences des autres. Bon, ça peut paraître compliqué, mais c'est vraiment ça que je ressens. Formidable. Donc, tout à l'heure, tu disais que avec les tests de la kinésio, tu constatais des choses qui étaient différentes avant un reconnective healing et après, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu peux donner un exemple? Oui, mais enfin, de nouveau, tout le monde ne possède peut-être pas tout ce bagage, mais par exemple, notre corps émet à différentes distances. Hein. Il y en a qui vont parler de corps émotionnel, mental, bouddhique, tout ce qu'on veut. Peu importe, c'est toutes des couches, mais qui sont le corps aussi. Donc, c'est autant à l'intérieur, pas comme souvent les poupées chinoises qu'on montre avec des couches, des pelures. Non, tout est ensemble et au milieu. Et donc, quand on peut interroger l'interaction qui est entre ces couches pour corriger quelque chose, l'énergie qui arrive au système d'acupuncture qui est en surface de la peau, alors est plus pure. Et ce que j'ai pu constater dans mon travail en kinésio, je devais parfois aller corriger une couche autour du corps. Ici, si je trouve avant à travers un reconnective healing une couche qui se montre en stress et que je fais la séance et plusieurs autres éventuellement, je ne vais plus trouver après. Comme si tout ça s'était mis à discuter ensemble. Et là, l'image de cette énergie qui rentre et qui sort du corps sans arrêt, comme un vortex qui reçoit et qui reproduit, elle est évidente pour moi. C'est difficile à partager, mais c'est vraiment ça. Et donc, ça, c'est une des choses. Et puis, ce que j'ai aussi pu constater, c'est que, bon, il y a des techniques en kinésio que Jan Stubing a fort développées qui sont liées à tout le travail d'Anne Brennan. Et donc là, on voit aussi qu'en plus de ce corps avec toutes ses couches, il y a le lien avec plus que cette petite bulle. Alors là, le lien que je fais avec Reconnective Healing, c'est toutes ces lignes dites axiatonales qui font que de notre petite bulle qui vit sur notre petite terre, qui vit dans un univers, mais tous ces liens-là ont aussi un moyen de communication, tout comme les méridiens d'acupuncture sont un moyen de communication. Et donc, après une séance de RH, la plupart du temps, des tas de choses que j'avais voulu tester avant, liées à toutes ces couches et tous ces liens, complètement disparus. Plus facile, enfin, je ne trouvais plus de stress sur ce que j'avais trouvé avant la séance. D'accord. Alors que tu n'avais pas mentalement focalisé là-dessus, on est d'accord, hein? Ah non, pendant le travail de RH, rien du tout. Hein. Non, non, non. Donc, c'est un peu comme si je faisais... J'ai fait ça avec des gens qui pratiquaient la méditation, du Reiki, tout ça, dans mon travail, pour voir un peu les effets que ça avait sur, justement, une séance. Et donc, on fait des pré-tests avant pour voir les méridiens, leur état, les en plus, les en moins, en gros, plus toutes les couches, plus tout ce qu'on peut interroger. Et après, par exemple, les salutations au soleil, hein, que des personnes sont venues pour faire des tests là-dessus, eh bien, OK, il y avait les 9 dixièmes étaient corrigés. J'avais fait aucun travail, mais je pouvais retester, poser les mêmes questions, si tu veux, avant et après le travail. Ici, avec le Reconnective Healing, c'est amplifié fois 100 parce que je ne trouve plus de traces. Ce qui est très marrant pour moi et ce qui montre que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, c'est que je teste en kinésio, puisque kinésio, c'est un outil, ce n'est pas une technique au départ. Et si je dois faire une séance de Reconnective Healing ou si je dois travailler en kinésio, c'est une autre approche. Si c'est Reconnective Healing qui sort, je vais l'expliquer à la personne pour qu'elle soit d'accord et je ferai la séance parce que c'est une priorité qui s'impose. Si c'est autre chose, je commence ma séance en kinésio. Et dans quasi toutes les séances, il y a au moins 10 minutes à un moment où ça part en Reconnective Healing. Et très souvent, c'est le moment où les gens vont ressentir le plus de choses intérieures, justement. Et voilà, c'est pour dire que tout peut se combiner parce que moi, je pense que tout est dans tout. Mais il y a des raccourcis. Et Reconnective Healing, pour moi, est un énorme raccourci. Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que quand tu testes et que ça tombe sur la kinésio, c'est comme si c'était une petite porte d'entrée pour la personne pour arriver sur le Reconnective Healing. C'est mon impression actuelle, ça, tu vois. D'accord. Alors, à un moment, je me suis dit, non, allez, c'est moi qui veux rester dans mes vieux trucs et qui est difficile. Mais non, parce que parfois, il y a des corrections avec l'outil kinésiologique qui vont être réalisés, donc par exemple, disparition, je prends un exemple plus ou moins classique, une disparition d'une douleur, ça va se faire. Ce que peut-être, si j'avais fait Reconnective Healing, ce n'était pas une priorité qui se serait faite. Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas faire les deux choses en même temps. Donc, par contre, ce que moi, je peux aussi dire par rapport à ça, c'est qu'à cause de ma formation, je suis
peut-être plus tordu mentalement pour le reconnective healing. Et je voudrais quand même aussi faire passer le message qu'il y a un avantage à n'avoir aucune formation. Parce qu'il y a une ouverture totale, mon système de croyance, mon ego me piège aussi un petit peu dans tout cet échange. Et donc, c'est vrai que je suis persuadé que des gens qui n'ont aucune formation, qui ont juste cet appel de vouloir sentir, aider les autres et faire ça, ont un avantage par rapport à moi, malgré tout mon bagage, qui me permet de partager d'autres choses. Voilà. Ouais, c'est chouette que tu dises ça, parce que c'est tellement important et c'est tellement vrai. C'est vraiment ce qu'on observe, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton quotidien, comment être avec les fréquences, comment ça s'exprime? Alors maintenant, j'ai de plus en plus l'impression que je ne dois plus trop y penser. Alors bien sûr, quand je travaille, je l'augmente. Maintenant, c'est vrai que, comme je disais, à force de plonger assez souvent dans ce moment, tout ça, ça augmente encore cette présence physique ressentie. Et ce que je pense aussi, c'est que plus des gens, c'est un peu tout l'univers de Sheldrake, ça, plus des gens vont pratiquer, plus on va créer autour une bande passante où tout le monde va s'alimenter. Et cette bande augmente. Et à un moment, on avait même discuté, je pense, entre praticiens, en disant, tiens, c'est marrant, une autre séance de reconnective healing, pour le moment, a l'air de bouger parfois autant de choses que le fait de faire la reconnexion. Mais c'est un peu ça le truc. Moi, je voyais ça dans ma pratique de prof de sport, c'est qu'il y a 30 ans, les élèves, pour apprendre à faire de la planche à voile, ils mettaient 4 jours. À la fin de ma carrière, en 3 heures, ils savaient tous le faire. Parce que le corps puise dans le champ et est capable de s'auto-alimenter parce qu'il y a déjà une expérience. Et ce qui se passe aussi avec reconnective healing, à mon avis, pour le moment, et d'autres choses, hein, parce qu'il y a d'autres énergies qui sont les mêmes, mais qui ont une autre dialectique, hein, gros bovoy, des choses comme ça. C'est la même chose, tout ça, mais abordé différemment. Donc, ça permet de toucher plus de gens. Mais du coup, ça alimente cette fréquence et on peut encore plus facilement s'y connecter, quoi. Ça, alors, c'est vraiment une sensation. Alors, pour les personnes qui débarquent un petit peu sur cette vidéo, qui arrivent par hasard, ils ne peuvent pas bien comprendre de quoi tu parles. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi tu parles quand tu parles du champ? Alors, l'idée de Sheldrake, c'est que l'énergie étant avant la matière, mais la matière émet l'énergie. Et donc, par exemple, le chien bouge 10 minutes avant que son maître arrive, c'est parce qu'il y a un champ et il y a une relation qui existe entre les deux, au départ, bien sûr. Et donc, nous sommes êtres humains, tous unis et avec le potentiel d'aller chercher des informations. Un exemple qui est souvent donné pour bien faire comprendre ça, c'est l'expérience des rats. C'était une race de rats noirs qui apprenait en Russie un test de labyrinthe. Et puis, on voyait leur performance qui se faisait. Et puis, on a remarqué que les mêmes rats, mais qui étaient en Amérique du Sud, apprenaient 10 fois plus vite le même labyrinthe parce que les premiers rats l'avaient déjà appris. Alors, on a commencé à faire des liens. Et bon, après, c'était beaucoup plus expliqué dans d'autres domaines. Et donc, on puise dans cet inconscient collectif assez facilement, et le temps actuellement avec l'expansion des communications, la vitesse des communications, soit par le matériel, hein, comme on le fait maintenant, soit par plein d'autres choses, fait que tout ça s'accélère encore. Tout comme l'univers s'accélère, ça dépend pas de nous, mais on participe à tout ça, quoi. Merci. Et donc, le champ, c'est vraiment l'espace qui est autour, et il n'y a plus de distance, en fait. Hein, on est dans l'information, en fait, elle dépasse le temps et elle dépasse les distances à cet endroit-là. Et en plus, il faut accepter l'idée que le champ n'est pas qu'autour, il est à l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on descend de la matière physique vers la cellule, vers l'atome, on va se retrouver alors justement avec le champ, le vide, qui n'est que énergie, et une énergie qui a une densité qu'on ne sait pas encore exploiter, mais qui est présente. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, quelque part, c'est comme si on avait le potentiel en nous. La lumière est déjà là, mais il faut la réveiller avec le dehors. Et on a endormi. Tout à fait. Voilà. Et une dernière chose que je voulais encore dire par rapport à tout ce qu'on voulait discuter, c'est pour moi, le portail qui a été fait a apporté beaucoup. Parce que d'abord, on peut le prendre à son aise. Et j'ai appris plus de choses au portail qu'en étant à Bâle, par exemple. Tu veux dire, alors, je précise pour les personnes qui ne savent pas de quoi tu parles, le portail, c'est la formation 1, en fait, qui permet d'apprivoiser les fréquences et de comprendre un peu avec ce qu'on sait
de quoi il s'agit, qui est en ligne maintenant et qui autrefois était en présence. C'est ça, voilà. Et moi, j'ai encore été en présence. C'était juste avant que ça apparaisse. Mais je l'ai acheté pour voir un petit peu ce qui était derrière. Mais j'ai appris beaucoup plus de choses, hein, grâce à cette interaction, quoi. Et la chose maintenant que je voulais encore discuter, c'était le stage niveau 3, la reconnexion. Parce que là, on est vraiment dans une procédure. Donc, c'est justement ce que je disais tantôt, c'est pas du tout la même chose qu'une séance de reconnective healing. Et quand je dis procédure, ça fait penser aux procédures comme en kinésio pour certaines choses, évidemment. Et donc, les procédures, là, vont vraiment faire appel à d'abord ressentir cette énergie comme en RH, mais à l'appliquer sur des circuits qui nous relient au grand tout, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, cette énergie qui est autour de nous, qu'on ne voit pas. Et donc, c'est un petit peu comme si on permettait à notre GSM d'aller chercher les fréquences qui vont permettre de capter quelque chose. Or, que mon GSM peut très bien lire une vidéo qu'il a à l'intérieur. Et donc là, on va avoir tout ce jeu et une procédure bien précise qui va ouvrir des pour moi, c'est des méridiens. Mais c'est des méridiens hors corps, comme il en existe en acupuncture d'ailleurs, et qui vont permettre d'aller au-delà de notre petite réalité qui, malheureusement, avec nos sens, reste celle qui sera toujours prioritaire. Et heureusement, c'est qu'on a quelque chose à apprendre avec. Mais en attendant, le niveau 3 permet d'offrir à la personne qui vient le faire une répétition, puisque c'est deux fois plus ou moins la même chose, plus une petite ajoute, hein, de tous ces tracés qui vont permettre de garder plus facilement l'ouverture vers les fréquences. Alors qu'en reconnecté healing, on a déjà activé, si on dit reconnexion, c'est qu'il y a une connexion. Mais donc, reconnecté healing active déjà une première fois. Et la reconnexion pour certains, parce que j'en connais plein qui n'ont pas besoin de le faire, la reconnexion, ça va être vraiment ce travail de précis plus mécanique sur la matière pour permettre l'information. En fait. Je ne sais pas si pour toi c'est plus clair que ce que je voulais expliquer, parce que je sais que tu donnes le cours. Donc. La reconnexion personnelle, on active des points et des lignes du corps physique avec des méridiens de la Terre et des lignes axiatonales de l'univers, ce qui nous permet d'avoir l'information de nos chemins de vie sur Terre. C'est-à-dire que dans cet univers, sur cette planète, ce corps-là va recevoir l'information qui le concerne vraiment. Voilà. Mmh. Impeccable. Voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Et je reviens encore à l'acupuncture. C'est vraiment l'interface et tout ce que j'ai appris dans le niveau 3 faisait que des liens avec cette acupuncture pour moi, parce que j'ai ce petit bagage, on n'est pas obligé de l'avoir ce bagage. Mais du coup, voilà, on est vraiment dans l'échange d'énergie, comme tu dis très bien, pour la personne individualisée en fait, même si ce qui m'a confirmé le plus mentalement et mon ego, c'est dans le livre d'Urtac, tout ce que j'ai pu lire sur ce que lui parle du système d'acupuncture ne faisait que confirmer tout ce que je vivais depuis 10 ans. Et donc, c'est un magnifique appel pour moi et j'espère que ça se partagera, bien sûr. Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie de famille, d'être en relation avec le reconnective healing? Oui, bien sûr, tout comme la kinésio a changé beaucoup de choses. C'est que je vais dire que je me sens toujours plein. Donc, je n'ai pas cette sensation de manquer de quelque chose. Pourtant, je n'ai pas changé ma manière de vivre. Et donc, c'est vraiment la sensation de vivre le temps présent. Et moi, ça m'est venu beaucoup, et souvent je l'explique à ceux qui viennent en séance d'ailleurs, c'est qu'on nous a fait oublier, ou on a oublié à cause de notre culture et de tout notre vécu, que ben oui, on a un bagage génétique, on a des expériences de vie et tout ça. La seule chose qui compte, c'est le temps présent. Et quand on dit temps présent, il y a le mot présent. Et présent, c'est le cadeau. Et donc, ce qui est avant et après nous pourrit la vie. Donc, il faut apprendre à vivre le temps présent. Et j'ai eu cette sensation que Reconnective Healing a changé ma vie parce que je me sens dans le temps présent. Voilà. Ça répond à ta question. Ouais, on va terminer sur cette belle envolée. Je te remercie beaucoup, Guy. Mais moi aussi, à bientôt. À bientôt.